registration. We've got credentials right here. Feel free to park here. Okay. Thank you. Thank you. Trop bon pote, lui. Un sauce. Ralph, il s'appelle Ralph. Et moi, j'espère qu'ils m'ont inscrit. Ça serait inadmissible qu'ils t'aient pas mis sur la liste d'invités. We gonna rock the club. Et le 10. C'est combien le price model? Je sais pas, je gagne plus, moi. Alors, c'est mes 11e East Games à Aspen. Il y a 10 ans, on venait avec Xav et Kevin. On était complètement paumés, on parlait pas un mot d'anglais. On comprenait rien à ce qui nous arrivait. Ben, maintenant, on passe un peu pour les vieux schnock, ouais. On arrive, on a même plus besoin de se présenter. Bonsoir. On se prépare. Il y a deux trainings avant la compète. Deux trainings de 2 heures. Et cette année, j'ai un peu plus de boulot que les autres années. Parce que je dois faire un nouveau trix, la loupe double cork 1080. Et je mise beaucoup sur ce trix. C'est ce trix, j'espère, combiné à mon run, qui pourra me faire gagner. Donc je ne l'ai pas encore posé et je me suis mis quelques bonnes boitasses. J'ai même été arrêté presque 2 mois. Pris une entorse à l'épaule droite. Je me suis fait une entorse à l'épaule gauche il y a quelques jours. Donc je suis pas au mieux, mais je suis quand même confiant. Les bombes. Hey, je te rappelle que t'as les trainings là. Si tu veux te brouiller un peu. Hi guys, you wanna follow me? For Follow Us That TV? Let's do it. How long has it been since you've been in there? 4 years, maybe. Crazy. Welcome back, man. We've missed you. Thank you. Ça fait beau. Je suis presque sûr de faire un double cork. Putain, ça fait bizarre pour le coup. Mais bon, c'est cool. J'ai l'impression que je ne sais plus faire du pipe. Comme moi. Putain, ah, c'est pas l'airbag Vertu Academy. Hein. La glace d'Aspen. Putain, ouais, c'est béton. Hein. Pas serein sur le mode twist. Oh, comment tu m'as fait rêver de le lancer, j'aurais pas cru quand même. Ouais. Et j'ai fait des nines. Ah, il sort bien avec les nines. Je préfère un nine qu'un mec twist, toi. Donc ça y a tendance à te renvoyer et en plus t'as une super sortie, du coup tu poses très bas, c'est normal quoi. On y retourne une fois. Sois plus léger avec tes cams. Sois dur. Allez Mick. Allez chauffe. Fais-le en dessous de moi. T'arrives et tu es dur sur tes cannes, mais ça fait pas boum comme ça, t'es dur, c'est rond, c'est béton armé, regarde, putain. T'en refais ou pas? Hein? C'est une sortie solide, t'enlèves pas les pieds, c'est juste que t'es dur et que tu pousses pas comme un mulet, ok? 1, je vois, 2 et je repose les pieds contre la paroi. Le plus important, c'est la sortie. Allez mon gars. On y va. Ouais, ouais. Putain. Super. Ça va?
Oh là là. Stop. Ouais. Finito. Fini le training. Bah oui. Oh Mitch, si tu mets la 15, tu gagnes les JO. Allez, vas-y. Non, non. Elle a sauté. Mais en vrai, ça passe là, regarde. Là, si tu mets la 9, t'es 9e. Au cas où, là. C'est plus simple. Ah ouais, mais on s'en fout, on a pas dit qu'il fallait pas mettre la blanche. On a pas dit qu'il fallait pas mettre la blanche, c'est bon. Gold. T'es en forme ? Ouais. L'épaule, ça va ? Tout va bien ? Bon, l'épaule, comme d'hab. Et avant de faire aller au double en bas, t'as plein de choses à faire parfaitement, d'accord ? C'est bon. On est là ! Allez ! Au contraire, plus t'es bas, plus faut être au-dessus de tes pieds. Toi, tu ouvres à chaque fois. T'as juste à finir ton trick en avançant la main gauche devant. Shoot ! Shoot ! Prends l'élan, mec! Il est petit! Et en haut, t'es en switch double, t'es tout petit! Tout petit! Genre la même chose! Je suis pris une rafale d'avant! Ah ouais, mais... Tu pousses pas trop, t'es dur sur tes cannes, et tu prends ton temps. Allez, 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 allez! Allez, fais-le, Mitch, fais-le! Il est bien. Ah! Bah, ce soir, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai essayé de faire mon alley-oop double et j'y suis presque arrivé. J'y suis arrivé au deuxième run, mais bon, j'étais pas bien en speed, du coup j'ai fini trop tôt. Et le troisième run, c'est pas passé loin. Je suis forcément déçu parce que c'était un gros objectif, les XGM. Après, je pense que j'ai beaucoup appris ce soir. J'ai compris des choses, j'ai bossé mine de rien ce trick qui me faisait tant peur. Je suis à un petit doigt d'y arriver. Donc c'est de bon augure pour les Jeux Olympiques. J'ai encore une bonne semaine d'entraînement, donc je vais essayer de mettre tout ça ensemble et de déchirer les Jeux Olympiques.